Exactement, nous parler de sujet qui dit la vie éternelle. Et donc, nous suivons là, nous gagnons un objectif. L'objectif, ça, c'est aider les gens à comprendre que ils doivent disposer, sacrifier dans le monde ça, pour être capable d'obtenir une place dans le royaume des cieux. Et illustration, c'est ce que ça dit. Illustration, c'est un singe avec un piège. Mais il y a l'autre bas encore. Il mettait une friandise dans le trou. Mais dans quel objectif? Soit attraper singe. Soit attraper singe. Soit capturer singe. Capturer singe. Alors, ça qui est belle dans l'histoire, c'est que singe là lui-même est souvent friandisant. Mais il pas connaît qui ça parle pour lui. La friandise est belle aussi, hein. Yeah. Exactement. Quand il y a là, on nous fait logique bien. Qui le saut moral que n'a tiré là? Qui le saut moral que n'a tiré? Hein? Le saut moral que nous capable tirer de ça, c'est que Jésus-Christ lui là dans porte là tout l'a frappé, l'a brûlé nous venir ni, nous pas le venir. Et puis le capi nous cafou là tant nous parce que qu'on est dans cafou ça là il pas capable une voulez ou non pas l'arriver là ou bloquer faut relier Jésus quand même ya yeah. Alors c'est OK, c'est bien nous comprenons ça et ça nous fait plaisir, c'est une belle question et penser leçon morale là il pour beaucoup parler de leçon de morale, ça veut dire c'est fait sortir que des bagages qui sont capables, je ne suis pas oublié au sujet de ce moment, c'est pour aider mon yo, non seulement à comprendre et à saisir tout ça qu'a dit. Mais dans la leçon de morale qui nous capable de tirer, et de même que je ne veux dire, nous est que Satan le diable a offert avec monde des bagages extraordinaires, des bagages qui attirent, des bagages que vous sentez que vous n'avez pas vivre sans yo. Mais pendant que vous-même, qui vivez dans l'ignorance, et puis vous choisissez d'abandonner Dieu, vous choisissez opposer avec la parole, et puis vous vivez face au bail Satan. Immédiatement, vous vivez face au bail Satan, et mais c'est un piège. Parce que Satan lui-même, tout ça l'a fait, ce sont des pièges. L'a utilisé. Et à l'aide des pièges, l'a utilisé, ça rend que, ou même quand vous vivez aujourd'hui, ou toujours sous tentation, dans la tentation. Exactement. Ça veut dire que tout ça l'a présenté en face de vous, ce sont des belles choses, ce sont des bagailles qui sont capables de rendre que vous abandonnez Dieu. Bien, et immédiatement, vous abandonnez la parole, maintenant, vous venez opposer à la parole, vous vivez face à Satan, ou à Dieu d'eau. C'est le son que ça veut dire. Directement. Alors, je pense que c'est un très bel sujet. Évidemment. Et nous gagnons. Pièce ça faut que nous toujours veiller pièce ça parce que pièce ça qui ça là pour faire nous là pour la gagner matin. OK. Mettre sa confiance dans les richesses peut empêcher quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors richesse c'est une sorte de piège qu'il y a. Qui ça pièce ça qu'a fait nous, dit qu'a permettre ou pas qu'a entrer bon rater dans le royaume de Dieu. On nous regarde pour nous. Qu'est-ce que Jésus a dit au jeune homme qui lui demandait comment hériter la vie éternelle? C'est une question. Pourquoi ces paroles ont-elles affligé le jeune homme? Je me sens si jeune homme affligé. Ah ouais? Votre avis? Pourquoi le Seigneur lui a-t-il demandé de renoncer à tout ce qu'il possédait? Comment ce qu'a ordonné le Seigneur au jeune homme riche s'applique-t-il au coup? Ça veut dire que Jésus-Christ voulait retirer le jeune homme dans un piège. Un piège. Exactement. Évidemment. Bon, on texte qui dit le plus facile pour un chameau. Parce que non Jésus-Christ qui est un homme riche entre dans le royaume ciel-là. Ok. On nous regarde dans le texte là. On nous regarde Marc là. Marc chapitre 10, verset 22. Mais